Bonjour, mon nom c'est Bakatubia Tony. Je suis un artiste illustrateur de bande dessinée et illustration. Je fais aussi de l'animation. Certains de mes amis m'appellent de Kagaman, le Kagaman. Bon, c'est en fait une référence à un mangaka, un artiste de BD japonais, mais inversé. Quand on l'inverse, ça donne genre Kagaman ou un truc dans ce sens. Bon, j'ai commencé à dessiner très jeune, j'étais vraiment très jeune. Je me souviens pas exactement de quand ni de comment, mais je sais que déjà tout petit, j'aimais dessiner, j'aimais griffonner des trucs à gauche, à droite. Et puis un peu plus tard, c'est là que j'étais exposé au manga avec Dragon Ball et Naruto. Naruto, j'ai connu Naruto dans mon jeune âge, j'avais 12-13 ans. Mais Dragon Ball, j'ai connu Dragon Ball à 7-8 ans. C'est là que j'aimais bien la façon dont ils présentaient leurs histoires. C'était un peu différent. Pour moi, c'était genre une bande dessinée, mais à la télé. Alors, quand j'étais tout petit, je me disais, c'est ce que je veux faire. J'aimerais bien dessiner ces histoires. J'aimerais bien me retrouver dans ce monde. Et petit à petit, j'ai appris à dessiner avec le temps. J'ai rencontré des gens qui m'ont appris à dessiner, qui m'ont appris comment trouver ma propre touche. Non, je suis vraiment fier aujourd'hui. Quoique j'aimerais un peu améliorer ma touche artistique. Mais voilà, la plupart de mes dessins sont plutôt pas du tout posés. Ils sont dynamiques, ils représentent toujours un idéal, celui de se surpasser, celui de devenir meilleur. Et puis après le manga, j'ai découvert le comics. Le comics, c'était la fin de mes études secondaires. J'ai découvert ce monde-là où il y avait plein de super-héros. Avant, je n'étais pas vraiment intéressé. Il y avait que Spider-Man et ça me rappelle plein de trucs en fait. Il n'y avait que Spider-Man quand j'étais petit, mais en grandissant, j'ai appris à connaître tout l'univers MCU et tout l'univers DC. Et c'est là que je me suis intéressé un peu aux couleurs. Quand j'étais tout petit, je faisais que des dessins blancs et noirs. Il n'y avait pas de couleurs, j'étais pas vraiment intéressé par les couleurs, j'étais pas vraiment du tout. Mais mes dessins, je les aimais bien en noir et blanc. C'était une façon de rendre hommage au Japon et à tout ce que les mangas m'ont appris. Et puis plus tard, j'ai découvert le comics comme je l'ai dit. Mais c'est avec les comics que j'ai eu envie de mettre de la couleur en fait dans mes dessins, que je me suis intéressé au monde de la couleur, au monde colorié, au monde où tu peux donner vie. J'ai aussi découvert que la couleur c'était un univers complètement à part. Pourquoi tu utilises du bleu à la place du rouge, pourquoi tu utilises du rouge à la place du bleu. Les couleurs ont une certaine façon de transmettre une émotion précise, en tout cas plus précise qu'une page noir et blanc. mais on les aime bien aussi. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai découvert les comics. C'était grâce à un ami qui m'a dit non, vas-y, va lire. Et puis j'ai commencé à m'intéresser aux comics. Et puis je me suis dit ça serait un peu intéressant de pouvoir intégrer tout ça dans un seul style en fait, dans un style africain avec une petite une certaine façon de dessiner, genre tiré au Japon et les couleurs des États-Unis et de l'Europe. Tu essaies de fusionner tout ça et tu vois ce que ça donne. Et voilà. Thank you.
Ah ouais. Mais en ce qui concerne mon temps libre, je sors un peu. Je sors un peu pour me changer l'esprit. Il m'arrive un peu de sortir pour me promener. Oh, ouais, je me promène 2-3 heures, histoire de me changer les idées, de penser à autre chose ou de penser à rien du tout. Mais vu que je me sépare rarement de ma tablette, je me retrouve en train de dessiner en cours de route. Il m'arrive de mettre dans un coin et de mettre à dessiner en oubliant que je suis en cours de route. En fait, c'est ça en fait la passion. La passion, c'est quelque chose qui te possède. Tu peux pas te dissocier de ce que tu fais. Tu peux plus te dissocier de qui. En fait, dessiner, c'est une partie. C'est une partie de moi. C'est une partie intégrale en fait. C'est indissociable de qui je suis. Je suis le dessin. Le dessin, c'est moi. Je dessine partout et tout le temps. Et tout le temps en fait. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Des fois, il m'arrive de sortir, je bosse sur je sais pas, une œuvre que je trouvais difficile à terminer. Et là, quand je sors, je me change les idées, il m'arrive à penser à autre chose. Et cette chose, cette nouvelle idée, elle va venir améliorer l'œuvre sur laquelle je travaille. Et tout est tellement beau, en fait, quand je dessine, en fait, tout est magnifique quand je suis dans ce monde-là. C'est un peu mon monde à moi.